m'appelle Florent Gringbeau, j'ai 20 ans et je pratique le cyclisme sur piste. Je pratique le cyclisme depuis l'âge de 5 ans. Quand j'étais tout petit, mon grand-père m'a appris à faire du vélo, sans les roulettes, dès l'âge de 2 ans. Et du coup, j'ai pas quitté mon vélo. Et ma maman a décidé de m'inscrire à l'âge de 5 ans. Enfin, c'est l'âge minimum qu'on peut avoir pour pratiquer le vélo. Et je suis au sein du club du VCO Sky depuis 2 ans. Pourquoi je fais de la piste aujourd'hui? C'est parce que j'ai regardé les Jeux de Londres en 2012. Et c'était Grégory Boget qui était démarreur de l'équipe de France cette année-là et sur l'Olympiade de Rio. Et c'est grâce à ce gars que j'ai voulu me mettre à la piste, notamment en tant que poste de démarreur. Le club VCO Sky correspond vraiment à mes valeurs, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui donnent et qui partagent. Aujourd'hui, je suis vraiment content de faire partie de ce club parce que je peux retrouver une famille. Moi qui ne suis pas natif de la région, ça m'a permis d'avoir des réels appuis et une vraie famille, quoi. J'ai intégré le pôle olympique. Ici, on s'entraîne 2 fois par jour. On a environ 20 heures par semaine d'entraînement qui sont composées de 4 heures à 5 heures par jour. Le matin, on fait une musculation et l'après-midi, on va sur piste. Alors, mes points forts sont l'explosivité, mon rapport poids-puissance. Ma spécialité, c'est la vitesse par équipe, donc c'est composé de 3 athlètes qui sont posés chacun sur la même ligne et chacun passe un relais. Je suis en tant que lanceur, qu'on appelle communément démarreur, c'est celui qui lance l'équipe sur les 250 premiers mètres. Donc on part de V0, vitesse 0, et on monte jusqu'à environ 70 km/h. Donc c'est la capacité à pouvoir accélérer le plus rapidement possible. La vitesse par équipe, c'est composé de 3 athlètes sur 3 tours. Le but, c'est de faire les 3 tours le plus rapidement possible. Chaque athlète fait un tour et c'est comme ça qu'on passe des relais. En 2018, j'ai été champion du monde junior en vitesse par équipe, ainsi que champion d'Europe espoir de vitesse par équipe, donc j'avais été surclassé. Et en individuel, j'ai été champion d'Europe de keirin et vice-champion d'Europe de vitesse individuelle. En 2020, j'ai gagné une Coupe du Monde au niveau élite à Hamilton au Canada. Mes objectifs sont, dans un premier temps, les Jeux de Tokyo. J'ai récemment été sélectionné pour cette Olympiade. Après, à plus long terme, il y a les Championnats du Monde en 2022 à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui pour moi sont très importants parce que c'est les prémices des Jeux de Paris. Les objectifs sur les Jeux sont toujours les mêmes, c'est-à-dire performer et aller chercher les meilleurs résultats, et en l'occurrence, aller chercher une médaille. Paris 2024, c'est loin et proche à la fois. Du coup, on n'y pense pas tellement parce qu'il y a l'Olympiade de Tokyo qui arrive, mais c'est un objectif qui est là et qui est vraiment important, et je pense que pour tout le sport français, c'est l'objectif ultime.